Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des crânes Mamouchka. Donc aujourd'hui, nous allons faire la case numéro 3. Donc nous sommes le 16 octobre. Le nez va beaucoup mieux, enfin la gorge aussi. Je parle encore un peu du nez. Donc on fait la case numéro 3. Je finis la case numéro 3 avec vous. Voilà. Donc c'est la case du 17. Donc j'ai une journée d'avance. Hein. Je fais ce qui est beaucoup plus simple. Comme la fin du mois, quand je vais donner le diamond painting, pardon, au petit Alex. Faut que je termine la vidéo un petit peu avant quand même. Voilà, donc là je fais quand il y a un peu de surface comme ceci, je fais toujours en quinconce. Voilà, en damier. Et après je reviens sur les cases que je n'ai pas remplies. Donc là c'est une petite case. Hein, donc si j'ai le temps, je vais essayer certainement de commencer la quatrième case. Je dis bien si j'ai le temps. Donc voilà. Vous pouvez voir, j'ai mis du comment ça s'appelle, masking tape. C'en est un de chez Action là, que j'achète pas bien cher, mais il est très très bien. Et je me sers que de ça pour mettre autour de mes DP. C'est parce qu'ici il y a de la colle autour, il y a un petit truc où il y a de la colle, et quand on pose la main c'est pénible. Donc je mets. En principe, je le fais en premier, j'ai oublié. Voilà, des choses qui arrivent. Hein. Donc voilà, et la dernière couleur. La dernière couleur qui est un rouge. Donc là j'ai gardé deux couleurs, peut-être que le prochain, je sais plus où est le numéro 4, il est là-haut. C'est une petite case apparemment aussi, donc certainement que... Au début j'avais mesuré, puis au bout d'un moment ça m'a saoulé. J'ai dit allez, je pose mon masking tape comme ça, on verra bien. Donc il y a des petites cases, il y a des cases plus grandes. Le principal c'est que le truc se fasse, hein, que le DP se fasse. Et voilà les dernières petites, derniers petits diamants, pas petites. Voilà.
Donc voilà. Pardon. Donc là, j'ai mis 40, même pas 45 minutes pour le faire. Ouais, même pas. J'ai vraiment pas mis longtemps. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai à la fin du numéro 4. Qui doit être pour le 18. Bah demain, 18. Après-demain. Je vais m'embrouiller avec les dates. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à plus tard. Alors voilà, je vais faire avec vous la fin de la case 4. Donc, la limite, elle est là, juste au niveau des carrés. J'ai fait ceci. Alors, nous sommes le dimanche 17. Mon rhume va un peu mieux. Voilà, donc je finis la case. Numéro 4. Et je commencerai la 5 comme ça. J'aurai 5 minutes pour la finir. Je la terminerai en caméra avec vous. Donc bien sûr la 5. Ce sera pour le 19, ça sera pour le 19, voilà, c'est ça. Mais comme j'essaye de faire quand j'ai le temps, hein, quand je peux, j'essaye tous les jours quand même. Ce que je fais également, c'est ou éventuellement, des fois, c'est ce qui m'est arrivé pour l'instant, c'est que là, vous voyez, je vais finir celui-ci et après, je vais commencer la case numéro 5. Et une fois que la case numéro 5 sera terminée, si j'ai le temps après, j'attaquerai la numéro 6 le même jour et puis je la finirai le jour. Bon, ben là, je fais tout aujourd'hui comme ça. Ben. Demain lundi, je suis tranquille. Je vais pouvoir, comme j'ai des vidéos à monter, je vais peut-être commencer à faire le DP, comment il s'appelle, bébé Yoda. Ça, après, j'attaquerai son Noël. Il y a quand même, j'ai quand même pas mal de DP à faire pour les fêtes. Et comme on voit le petit bonhomme à Noël, donc je voudrais lui offrir entre autres, hein, il y aura autre chose avec. Je vois que c'est maman. Donc bon, mon rhume va un peu mieux. J'ai encore le nez encore un peu pris, mais bon, ça va mieux. Et voilà, c'est terminé pour la numéro 4. Voilà. Par endroits, ça a un peu de mal à coller, je trouve. Excusez-moi. Alors, je vais le défaire du... Voilà. Ah oui, j'avais zoomé un peu. Donc. Alors, c'est comment? C'est le 1, le 2, le 3, il est là en bas. Le 4, il est là. Voilà. Et le 5,
il va être ici. Donc voilà, j'ai préparé le sac et je vous retrouve pour la fin du sac. Au revoir, à plus tard. Alors voilà, donc on va finir la case numéro 5. Alors nous sommes le... Bonne question, je ne m'en rappelle déjà plus. Nous sommes le 18 octobre. Alors, j'ai rien fait, on est le lundi donc. J'ai rien fait du week-end parce que j'étais vraiment pas top top. Ça allait mieux vendredi. Vendredi soir, je suis allée en scrap chez ma copine Peggy. Samedi matin, j'ai fait mes courses. Et samedi dans l'après-midi, ça a commencé à pas être tip-top, on va dire. Hein. Baisse de tension, enfin bon, le truc. Alors, j'ai mis le week-end au repos. Voilà, je me suis mis au repos. Quand même faire manger pour la famille, mais bon. Voilà, petite. Ça va. Là aujourd'hui, on est un lundi, ça va bien. Le rhume va beaucoup mieux. Je parle encore du nez. De temps en temps, j'ai des petites quintes de toux, mais bon, ça va. Donc, on se remet à faire le DP pour que ça avance quand même, hein, parce que. Donc aujourd'hui, je vais certainement filmer quelques. Comme j'ai pas travaillé, enfin j'ai rien fait ce week-end, j'ai pas mal de choses à faire. Donc là, on va avancer, on va faire cette case là. Je vais faire la numéro 6 aujourd'hui également. Voilà, donc là on découvre la tête de la citrouille. Enfin une partie, on va dire. Ah. Voilà, donc le numéro 5 est terminé. Hop, je vais ranger mes diamants avant de faire une bêtise. Voilà, bah le 6 il est là, je ne vais pas déplacer trop mon. Je vais faire le petit coin là, je peux. Hop, voilà. Le petit coin ça va aller assez vite. Donc voilà, le haut, voilà, hop. C'est que j'ai déjà fait. Bon ben voilà, je vous laisse pour l'instant et je vous reprends un peu plus tard pour la fin du carré numéro 6. A plus! Alors voilà, nous sommes donc toujours le 18 octobre. J'ai fait le carré numéro 6 et je vais certainement attaquer le numéro 7 parce que je vais avoir pas mal de choses à faire cette semaine. Pas trop le temps de faire du DP. Alors, là il me reste donc... je me suis trompée. Heureusement j'ai vérifié. J'ai pas pris bon. Oh. J'essaye de vous laisser dans les couleurs à faire, des couleurs quand même assez claires. Bon, même si c'est des oranges, des choses comme ça, mais c'est mieux que du foncé. Hein. On voit mieux à la caméra. C'est... Donc voilà. Donc, oui, comme j'ai pas fait grand chose ce week-end, j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire à la maison. Donc là ce matin, là on est lundi matin, hein, mais comme j'ai. Comment j'attendais quand même pas mal de colis pour mes fils, pour moi, pour mon mari. Et des. Que j'ai reçu, ça y est, tout est arrivé presque en même temps.
J'avais pas envie de me mettre à faire. Enfin, faut dire aussi que là, il est quelle heure? 10h30, j'ai déjà fait le ménage dans la maison. Ménage classique, mais je voudrais faire mes carreaux, je voudrais faire tout ça avant le. Avant qu'il fasse trop froid. Oh, j'en ai oublié là. Donc, ça, c'est un supplément, et ça, je le fais souvent au début d'après-midi parce que là, le chauffage, il s'est déclenché tout à l'heure. J'avais fait un carré, une fenêtre, j'ai dit non, faut peut-être pas abuser non plus. Je vais attendre que ça se réchauffe un peu pour finir le reste. Donc en attendant, je fais du DP. Voilà. Donc la case, c'est à partir de là. Voilà, le petit carré, de ce côté-là, c'est petit, hein. Voilà. Voici la case numéro 6. Et je vais attaquer la 7 qui est pas très loin. Voilà, alors soit je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer la fin de la case, soit ça sera quand j'aurai 5 minutes, quoi. Il faut que ça soit avant la fin de la semaine que j'ai terminé mes cases pour le, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Ben pour samedi. Oui, voilà, la vidéo du samedi. Du 23, voilà. Allez, à plus tard. Alors voilà, donc là on va finir la case numéro 7. Nous sommes le 19. Voilà, donc on finit par des rouges. Je vous laisse, je finis toujours par des couleurs qu'on voit assez bien quand même à l'écran parce que les foncés. Voilà, nous sommes le 19 octobre. Je fais la case numéro 7 que vous verrez sur Insta le je sais plus, je viens de regarder, le pire c'est que je viens de regarder. Je la mettrai sur Insta le 21 et comme ça je peux j'avance pour faire ma vidéo qu'elle soit en ligne samedi. Voilà. Donc là après je vais faire la 8. La 8 elle est là-haut. Donc nous sommes le mardi aujourd'hui. Ma vidéo je dois la terminer pour essayer de la mettre en ligne samedi ou dimanche, ça dépend. Hein. Faudrait que de faire des petits morceaux comme ça fait plein de petites vidéos à récupérer et puis à mettre les unes derrière les autres. Je sais pas ce qui est le plus compliqué. C'est mon site de montage qui va s'en occuper. Hein. Moi, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais juste mettre bout à bout. Donc, si vous voulez voir la case terminée en entier, ça sera. C'est sur mon Insta. Permet de même si j'avais bien sûr ça permet de voir l'avancée mais voilà ceux qui n'ont pas Instagram voilà vont voir la vidéo à la fin du mois à la fin du mois à la fin de la semaine je suis pressée d'être à la fin du mois encore. Et d'un côté, je suis pressée parce que d'un autre, je me dis comme ça, je vais pouvoir attaquer les mettre en ligne les petits trucs de Noël. J'en ai fait
J'en ai déjà sur internet, enfin sur mon ordinateur. Donc voilà la case numéro 7. Par endroit, c'est un peu de mal, mais j'appuierai avec ma petite roulette. Si je la retrouve, je l'ai rangée. Excusez-moi, je tousse toujours autant. Donc voilà, ma case numéro 7. Bah écoutez, ça avance bien. Donc là, je vais attaquer la 8. Il me reste la 8 et la 9 avant de mettre ma vidéo en ligne. Donc voilà, bah je vous dis à plus tard. Alors voilà, donc là on va finir la case numéro 8 ensemble. Donc c'est les K et c'est un violet. On est dans le ciel. Alors là mon DP est à l'envers, hein, je vous le remettrai dans l'autre sens après. Pour pouvoir travailler facilement. Voilà. Donc là, nous sommes au niveau du ciel. On a fait, enfin j'ai fait la tête du chat. Ça s'est arrêté là, voilà, à ce niveau-là. Ça, c'est le carré que j'ai fait, comme ceci. Donc c'est le ciel et la tête du premier chat. L'autre, non, l'autre est plus tard. C'est des chats sur des citrouilles, des chats noirs sur des citrouilles. C'est un diamond painting Halloween, mais très soft, hein, pas. Un Halloween gentillet. Voilà. Voilà, donc pour finir ma semaine, pour que vous ayez la vidéo ce week-end, il me restera plus que la case numéro 9 qui est juste là, qui est pas très grande. Donc je ne vais pas avoir le temps de la faire aujourd'hui. Je pense que je la ferai demain matin ou demain après-midi, je sais pas trop. Comme ça, après, je peux faire le montage de ma vidéo et puis reprendre la vidéo à partir du dimanche pour la deuxième semaine de DP. Donc après celui-ci, il y aura les deux petits DP de Noël que j'ai achetés. Ouais. S'il y en a un, c'est un partiel, donc ça va aller assez vite. Et l'autre, c'est un chat qui sera un cadeau. Voilà. Et après, et j'ai aussi le diamond painting à faire Baby Yoda, qui sera un cadeau de Noël, donc il faut que je le fasse aussi. Et voilà, la fin de la case numéro 8. Alors, je change mes diamants et je vais vous montrer les trucs. Il y en a qui résistaient, vous ne voulez pas rentrer. Hop. J'enlève mes pinces. Je vais dézoomer parce que. Voilà, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc la case numéro 8. Là, voilà. Elle faisait ce petit morceau-là. Un joli chat. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de la case numéro 9. Et puis je clôturerai donc ma vidéo sur cette case là qui est ici. Je sais pas si vous la voyez, bien sûr que non, puisque voilà la case 9 qui est là. Donc je m'installe pour faire cette case 9 et puis voilà, je clôturerai ma vidéo avec elle. Au revoir. Alors voilà, on se retrouve pour la case numéro 9. Donc nous sommes le 20, donc cette case principe,
Le 9, le 9, j'aurais dû le faire le 23 et mettre la vidéo après. Donc j'aurais pas le temps, donc je la fais un petit peu avant, c'est pas grave. Hein. Moi je fais avant, mais je vous mettrai les vidéos quand je les ai terminées, parce que j'avais prévu au début de faire du 15 au 31 les cases par jour, sauf que je peux pas. J'ai des choses à faire. J'ai quand même une maison à m'occuper également. Hein. Je peux pas m'arrêter pour en faire tous les jours. Puis même de toute façon, ma tête de linotte, j'oublierai vite. Donc, je fais quand je peux. Si j'ai un après-midi, ben, je vais faire plusieurs cases d'affilée. Et puis voilà quoi. Donc sur mon Insta. J'ai toujours pas regardé si j'avais mis le bon sur sous mes vidéos. Faut que je regarde, que je mette le bon Insta. J'en ai un que j'ai destiné privé maintenant, et l'autre juste avec les créas que je fais. Comme ça, c'est, ça n'a rien à voir. Hein. Donc sur mon Insta, tous les jours, je mets la case, une case terminée, quoi, on va dire. Et le 23, donc à chaque vidéo, je mettrai le lien de la vidéo. Sur la. Alors je montre juste la fin. Je fais avec vous le dernier. Le dernier. La dernière couleur. Pour voilà. Je trouve que c'est bien. Ça va faire déjà une grande vidéo quand même. Parce que. Ça fait combien de jours là, de dimanche ouais, c'est dimanche puisque j'ai déjà mis, donc 3 4 5 6 7 bah, du dimanche au samedi, ça fait 7 jours nounouille. Des fois je réfléchis pas. Donc voilà, sur 7 jours en faisant à peu près 3 4 minutes à chaque vidéo, je vais rien couper, je vais les mettre les unes derrière les autres. Voilà, puis comme je voudrais le donner rapidement, enfin oui, rapidement à mon fils pour qu'il le donne au petit, qu'il l'ait chez lui. Au début, je voulais, comme j'y vais à la fin du mois, j'ai dit bon, bah, je lui amènerai. Puis après, si ma belle-fille fait une déco pour Halloween, je sais pas. En principe, si, je crois qu'ils font un petit truc. Donc, ça, elle l'aura déjà installé chez elle. Moi, ça me permet de. Voilà, j'y consacre à peu près quelques deux ou trois fois par semaine. Et je fais un maximum de cases que je puisse faire. Et puis après, ben. Voilà, après à moi de faire ce que je dois faire, le travail qui est autour. Ceci, je m'écoutais. Je fais tout le même jour, hein. Je passerai ma journée à faire ça. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Mais bon, j'ai d'autres projets. Je fais du. Actuellement, là, je suis. Je tricote. Enfin, je crochette surtout. Des petits gilets, des petits bonnets, des petites écharpes pour une association. Pour l'enfant défavorisé. Donc, il faut que je leur envoie quand même rapidement. On les envoie quand on peut. Hein. Il n'y a pas de date, mais bon, quand même. Des bonnets, des écharpes, c'est pour l'hiver, des pulls aussi en principe. Donc voilà, donc je travaille souvent les après-midi, c'est ce que je fais. Le matin, c'est entre le ménage, et puis si j'ai fini mon ménage, et ben, je fais du DP. Voilà, donc la case numéro 9, qui était juste la petite partie qui était là. Pardon, je tousse encore un peu. Ça fait ne serait-ce que 15 jours que je suis dans cet état, entre le nez qui. Enfin, le nez, ça va mieux, mais alors la gorge, ça me brûle toujours autant. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer le 9. Donc, c'est la limite, elle était là. Voilà, c'était le dos du chat. Le dos du petit minou. Donc là, je vais zoomer dans l'autre sens. Pour vous montrer un maximum du TP.
de la première semaine. Je vais peut-être couper ça. Hop. Voilà, si vous voyez mieux. Voilà. Le haut. Et ça descend comme ceci. Et on a la citrouille. Avec le deuxième chat qui est là. Alors, je sais pas si j'aurai le temps ce matin, mais peut-être demain, ce sera le numéro 10. On part sur le 10. Ben voilà, on part sur une petite semaine de DP. Et vous l'aurez pour... voilà. Ben, merci d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.